Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel et dernier épisode des Sims Medieval. Et oui, je vous avais prévenu que la dernière fois que ça allait bientôt finir. Et malgré que j'aime beaucoup ce jeu, je me lasse quand même un peu. J'ai l'impression de tourner un peu en rond. Et puis de... Voilà, maintenant qu'on a développé tous les personnages, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Et donc, c'est aujourd'hui le dernier épisode des Sims Medieval. J'espère en tout cas que ça vous aura plu de regarder toutes ces aventures de nos différents protagonistes. Moi, je me suis quand même bien marrée et j'ai aussi bien ragé avec les choses qui n'étaient pas du tout évidentes à faire au niveau des quêtes et compagnie. En tout cas, je croise très très fort les doigts que les Sims Medieval reviennent. Alors, pas les Sims médiévales actuels que vous voyez sous vos yeux, mais les Sims 4 médiévales, vous voyez ? Hein ? Un truc revisité comme ça, mais avec un design encore meilleur et tout ça, ce serait tellement génial. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite quête où on va retrouver notre châtelaine, Charleris l'Illustre, pour un monde idéal. J'habite prospéré, même si certains pensaient que son âge d'or était déjà révolu. C'est ce que poussa un Sims à se lancer dans une nouvelle aventure, bien décidé à créer un nouveau royaume, un nouveau monde, une nouvelle vie. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. En fait, je ne sais pas si c'est une vraie quête, partir à un royaume, ou si on passe à une étape supérieure, donc j'en sais rien. Construire un nouveau royaume n'est pas si simple, mais pas impossible. Il suffit d'un peu d'or, d'un soupçon de charme et de beaucoup de sueur. Et on va choisir, bien sûr, châtelaine. Charleris, on aurait pu choisir beaucoup d'autres, mais comme j'ai commencé avec elle, je veux terminer avec elle. Le temps est venu pour moi de créer un nouveau royaume. Allez. Ça commence. La châtelaine Charleris l'Illustre regarda Chabit. Il était temps de passer à autre chose. Le royaume, elle l'avait bien traité. Mais Charleris voulait autre chose, quelque chose de plus grand. Elle voulait son propre royaume. Bah, c'est déjà son royaume. Tiens, ça c'est nos gosses qui sont en train de se... C'est les filles qui se battent, c'est logique. Elle savait... Ce qu'elle avait à faire, réunir assez d'argent pour acheter une boîte à château, technologie du dernier cri en matière de construction de royaume, trouver des Sims pour l'aider et d'un lieu pour construire ce nouveau royaume. Ok ! Très bien, très bien, très bien. Nous devons donc recruter 4 membres d'équipage, recruter 4 constructeurs et acheter une boîte à château au village. Très bien, il est 1h44 du matin, tiens, mon mari est là. Souverain, non, tu vas faire un petit bisou ! Voilà, un petit baiser. Oh, mon amour. Vous, mon amour. Mais j'ai dit romantique. Oh là 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 là, c'est compliqué la vie, hein. Voilà. Maintenant, tu vas te dormir. Et on attaquera ce qu'il faut le lendemain. Charleris se réveille. Et elle a faim. Elle va appeler sa boniche qu'elle lui fasse à manger. La domestique. Ah, casse les couilles, hein, la domestique. Tu me fais à manger, Anaclette, qu'est-ce que tu fais? Regardez le combat. Non, tu viens là. Anaclette, tu me fais à manger? Une soupe d'ours, allez. Non, mais voilà, maintenant c'est... Oh là là, je vous jure. Alors, ça y est, on va donc recruter 4 membres d'équipage. Tiens, toi, tu vas recruter comme constructeur. Ouais. Oh, mais s'il faut faire discuter avec tout le monde, on n'a pas fini, hein. On va reprendre Anaclette, sinon. Allez, hop. Anaclette, on va prendre aussi Aegon, parce que c'est notre mari. Et il faudrait bien prendre nos enfants, peut-être, mais bon. Ah, Aegon n'est pas là. Je n'ai jamais mis les pieds sur un bateau, mais j'apprends vite. Je ferai volontiers ce que vous me demanderez, comme laver les ponts ou gérer le phoque. Le gré et le phoque. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. C'est bien comme ça qu'on vient dit. Non, bah j'en sais rien, mon gars. Nos enfants. Envoyer faire du shopping. Voir l'inventaire d'enfants. Tu pourrais quand même te laver, peut-être? T'as l'air de puer ta mère. Ouais, non, bah, c'est pas grave. On va donc... Qui c'est qui est là? Ah, c'est vrai que les enfants, on peut pas les emmener, en fait. Donc je vais emmener mon mari.
lui comme recruter comme constructeur parce que c'est notre constructeur. voilà. J'aime le ton ambitieux de votre choix. Je vous aiderai volontiers à bâtir ce nouveau royaume. Ça, c'est cool. On va peut-être prendre un garde, genre que voilà, on va recruter lui. Parce que c'est un garde. Qu'est-ce qu'il a, lui? Attaquer les membres de la guilde avec un perroquet. Eh? D'accord. D'accord. On va devoir attaquer avec un perroquet. J'ai pas tout compris. Ça fait partie des attributions. Attaquer les membres de la guilde avec un perroquet. D'accord. Rédiger un traité de paix durable. Tu vas te faire tout de suite. J'avais oublié qu'elle aussi, elle avait des trucs à faire. Hein. Allez, tu vas le faire tout de suite. Ça fait un moment que je veux quitter Chabit. C'est voilà l'occasion idéale. Eh ben, c'est parfait, monsieur. Tu quitteras avec nous. Voilà, elle a fait une truc. Tiens, on appétit. Bah oui, bah, il y en a plein qui vont partir, qu'on ne verra plus. Bah, un peu tous les personnages, de toute façon, de ce let's play. Je voudrais juste recruter, du coup. Qu'est-ce que je dois faire avec lui, là? Avec le... Moi, j'ai pas de truc, là. Amical. Parce que moi, j'ai pas de perroquet, hein. Provoquer un duel à mort. Allez, vas-y, viens. Je sais que c'est pas ça qu'il faut faire, mais... Il est blanc comme un cadavre! Ça promet. Je me dis qu'il va for il est forcément déjà à moitié mort. Allez, position équilibrée. Coup précis. Allez. Défense d'acier. Coup précis. Oh voilà, je l'ai niqué. Bravo, Charleris! You are the best! Bon, j'aurais pas fait ce qu'on m'a demandé, mais je l'ai tué. Moi, je suis encore pire que ce qu'on me demande. Voilà! Allez, merci, au revoir. Tu vas aller du coup au village parce qu'on a besoin de... Je sais plus quoi. C'est quoi qu'il faut acheter? J'étais une boîte à château. Voilà. Allez, hop! En route, chère Lyris, l'illustre. Aveuglée par l'orgueil. Je suis la plus grande, la meilleure de tous. Effectivement. You are. Alors, objet. Boîte à château, 3500! Oh, ça... Oh, ouais. Ça va, 126 000, c'est une flou. Vache! Ah, oh, mais je savais pas qu'elle était si riche, dis donc. Oh, la vache! Ouais, c'est la... C'est quand même la souveraine, mais bon. Elle a quand même autant de tenace, je pensais pas. Alors, qui c'est qu'on va recruter? Faut qu'on recrute. Crute, crute. On recrute, il nous faut notre mari. Faudrait qu'on arrive à le trouver maintenant. Voilà. L'abbé Béric. Où es-tu, Aegon? Aegon? Le Conqueror? Ah oui, c'est pas lui? C'est son escuyer. C'est son écuyer. Voilà. Je sens que je vais chercher pendant 3 000 ans. Et Glandu, il s'en retourne au château, tu vois. On a toujours notre Ada qui est là. Tac, tac, tac. Non, il n'y est point. Tu dois faire quoi? Recruter encore, ouais. Que deux constructeurs. Et trois membres d'équipage. Je suis pas sûre qu'on puisse avoir Aegon puisque c'est le chevalier, je sais pas. Tu vas aller à la taverne, on va regarder à l'intérieur. Qui est là? Personne. Ok, très bien. On va aller au marché, regarder qui est là. Personne. Il y a juste l'abbé. Est-ce qu'on ne prendrait pas Jack? Ouais, vous voyez, je suis pas sûre qu'on puisse les recruter, hein. Non, on peut pas recruter. Coucou ma fille. Suis pas sûre qu'on puisse recruter mon fiancé, mon mari. Bah, c'est de la merde alors.
Alors, ici, c'était quoi? C'était la forge. Guilhem le chapelier. Ah ouais, tiens, Ragnar, il serait bien en constructeur, mais bon. Faut-il encore pouvoir le choper quelque part? Oh, ou alors, faut que je prenne des mecs au hasard, c'est ça le délire? Ouais, bon, bah allez, on va discuter avec un peu tout le monde et... je pense qu'il faut recruter, on s'en fout en fait. C'est des lambda qu'il faut recruter, donc on va recruter des lambda. Le loup de mer, Hyacinthe. Avec un prénom comme ça, tu m'étonnes que t'es un loup de mer. Hyacinthe est vaniteux, très bien. Est-ce qu'on peut encore les... Elle est où? Norbert. Je sais pas où elle... Ouf, ouais. On va bien les retrouver. Ah, il est là. Allez, tu vas discuter. Célestin la fripouille, mais... Au secours! Eh oh! Mais où est-ce qu'ils vont? D'accord. Mais... Oh, on se croit dans les Sims 4 ici. Mais... Oh! Casse-couille. Non mais c'est bon! Discute avec lui là. Ouais. C'est bon, allez, constructeur, tu vas le prendre en constructeur celui-là. Tiens, Emilien le garde, je le vois bien qu'on membre d'équipage aussi. Là, hop. Vous avez déjà parlé de la statue de l'observateur que mes ancêtres ont construite? D'aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été une famille de constructeurs. Je serais bien malheureux si vous ne vouliez pas de moi. Oh, il est mignon! Emilien est cruel, c'est bien. Tu as une bonne tête. Alors, constructeur. Vous voulez vous construisez intégralement votre château? Oh, c'est une boîte à château. Ceux-là sont faciles à bâtir. Comptez sur moi. Ok, très bien. Très bien. Donc j'ai non, j'ai mes constructeurs, mais j'ai pas encore mon équipage. Tu vas rentrer à la maison, tu vas y bouffer. Histoire 2. Voilà, bah comme ça, elle le fait automatiquement. Voilà, c'était bon. Bon, tant pis pour le coup de l'oiseau, là. Mon membre d'équipage. Est-ce qu'on peut prendre Pétir? Bah non, on peut pas, parce que c'est des héros. Je suis tristesse, hein. Je pourrais pas prendre ce que je veux. Tiens, tu vas venir avec moi, toi. Je vais te recruter. Ah, il est là, mon mari! Mais qu'est-ce que tu bats? Mais n'importe quoi! Un voyage en haute mer me fera le plus grand bien et je vous retrouverai sur le bateau. Ok. Et donc, j'avais demandé de parler à ton mari. Romantique. Mais on peut pas l'engager, ça c'est trop nul. Et lui, il est en train d'écouter! Tu sais, on est officiellement mariés, y a aucun mal à ce qu'on discute et qu'on se roule des pelles de temps en temps, mon gars. Hein. Mais tiens. Allez, oh, il se roule une pelle, oh mon Dieu. Oh. La souveraine, la reine et le chevalier sont de cul et chemise. Bah ouais. Tiens, allez, tu vas être couché. On va recruter le reste de notre équipage demain. Eh ben, 6h du matin, la v'là qui se lève déjà. Et elle est toujours pas là, la domestique. Ça commence à être relou, hein. Tu vas te faire une soupe d'ours. Non, on a dit! Oh, la biatch! Elle a bouffé ma soupe! La biatch! Quelle espèce de grosse pute! Ah non, mais alors elle, souverain,
Je dois envoyer dans la fosse, tiens. Tu me fais à bouffer, je t'envoie dans la fosse. Voilà. Hop. Tu m'as volé ma soupe. Ah bah elle est cruelle, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ah, voilà, ça fait du bien. Alors, on va recruter encore 2 membres d'équipage. Le connétable, il pourrait être pas mal, non? Attendez. Il est où? Il est déjà parti avec... Je vais aller voir au pilori. Il sera peut-être là, ici. Tu peux venir là, stop. Là! Tu vas discuter, échanger des ragots. On va le recruter. Oh ah oui, c'est vrai, je l'ai carrément envoyé à la fosse. T'as bouffé ma soupe, biatch. Eh non. Oh non, 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 non. La bête à la fin. Moi, je discute tranquillement alors que elle est en train de se faire becquer par la bête. Le saviez-vous, la bébérique, on croit leur nature par l'observateur. Oh, bah, ça... Bon, elle meurt ou elle meurt pas? Elle a réussi quand même à s'en sortir. Ah non. Ah, elle est morte. Le rire satanique. Allez, tu vas te renseigner sur la vie à Chabit et tu vas le prendre en... Parce que mon avis, ça doit être une... Voilà. Sur 2 habitants de la vie à Chabit. Tu vas demander à Ada. Oh non, mais c'est bon, l'autre, elle avait pas bouffé ma soupe. Hein. Naviguer vers un autre maillot sur votre... Ouais, tant mieux. Voilà, on a déjà fait ce qu'il faut. Qui c'est qui pourrait... Il nous reste un membre d'équipage. Qui c'est que je pourrais prendre? Je pourrais prendre Ada, mais... Ada, c'est la femme de Pétir, quoi. Donc, quoi qu'une dame de compagnie. Allez, j'embarque Ada. Bon, et puis comme ça, on avance, hein, parce que sinon... Dans 2 ans, j'y suis encore. Hein. Vous êtes au bon endroit. Je suis capable de naviguer dans le noir, les yeux bandés. Dans un bras de rivière plein de rochers. Je serai sur le bateau, en train de faire connaissance avec lui. Avant qu'elle parte pour son nouveau royaume, équipez la châtaigne chardonnaise de toutes les choses que vous voulez lui faire emporter. La châtaigne chardonnaise ne pourra pas utiliser ce qu'elle laissera derrière elle. Ça y est, hein, c'est la fin. Trouvez une terre pour le nouveau royaume. Écoutez 3 pétitions. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? On a quand même pas mal de choses. On a encore pas mal de... On a du chevreuil, on a une boîte à château, on a une bombe de soins, un violon. Guilde du forgeron. De l'eau du puits, de la viande, des graminées. Une fable, d'accord. Une mousse de sang. Une moustache de crabe. Tiens, porte ta moustache. Oh, la belle moustache. Oh, quelle belle moustache. Ça faisait partie du début du let's play. Bon, trouver une terre pour le nouveau royaume. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Maintenant, bon, on va y aller, hein. On va partir tout simplement. On va naviguer. Naviguons sur les flots, la 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 la. Partir à l'aventure, trouver des terres pour un nouveau royaume. Allez, j'ai tout mon équipage, regarde, ils sont tous là. Ah! Mais j'arrive même pas à aller plus près que ça, mais c'est une blague. Je vais même pas dire au revoir à mon mari, à mes enfants. C'est pas grave. Hein. Voilà, Charlie, il s'en va. Est-ce qu'elle trouvera une terre qui va lui plaire? En tout cas, mes constructeurs, ils sont pas partis avec moi. Hein. Mais bon, ils sont là, mais ils sont pas là, en fait. Hein. Bon. Un voyage très réussi, nous avons trouvé l'endroit parfait pour bâtir mon nouveau royaume. Lorsque tout sera prêt, nous prendrons la mer et nous ferons créer un monde idéal. Oh, c'est bien. C'est bien et c'est bien. Oh, elle est en train de jouer. Tu dois faire quoi? Bâtir un nouveau royaume. Il est temps de naviguer vers le crépuscule et de bâtir un nouveau royaume. J'ai hâte d'être un grand souverain.
Bon, ben, je crois que on est parti. Adieu, Chabit. Bonjour, chat cochon. Je crois que là, on est sur la fin du Let's Play, non? De toute façon, c'est soit ça nous emmène dans une nouvelle mission, soit ça finit tout. Et voilà. Quand le navire accosta sur le littoral inconnu, la châtelaine Charleris l'illustre descendit à terre et fit signe à son équipage de commencer à décharger les provisions et le matériel nécessaires à leur installation. Cette terre était la promesse de nouvelles opportunités. Elle y fonderait un nouveau royaume, un grand royaume. Et voilà, la quête est réussie, la quéquette. Un monde idéal, la châtelaine Charleris l'illustre remercia ceux. Et ils étaient nombreux qui avaient aidé à bâtir le nouveau royaume. Les Sims acclamèrent Charleris lorsqu'elle annonça que ce royaume allait se développer, prospérer et être un lieu où régnerait bonheur et beauté. Luxe, calme et volupté aussi. Ce que l'avenir réservait à Charleris et son nouveau royaume, seul l'observateur le savait vraiment. Voilà, nous avons réussi la quête. Et c'est là-dessus que nous allons finir le Let's Play des Sims médiéval. J'espère en tout cas que ça vous aura plu toutes ces semaines durant. Regardez, maintenant il me manque un souverain et moi je sais que je ne recréerai pas, ou du moins pas maintenant, peut-être dans l'avenir, tout ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page YouTube qui est dans la description pour regarder des publicités qui me donneront quelques centimes qui aideront à acheter des packs Sims ou packs Sims médiéval ou autres jeux pour la chaîne, l'amélioration de la chaîne. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur ma chaîne. Allez, salut !